Pierre Boulez a acheté du jambon, 4 tranches. Il a préparé des endives au jambon pour sa femme et ses 2 enfants, Grégory Boulez et Sophie Boulez. Puis ils ont regardé la télévision ensemble, une émission un peu trash où ils ont vu une engueulade en direct qui a beaucoup impressionné Myriam, la femme de Pierre Boulez. Myriam est allée se coucher la première. Non sans faire remarquer que Grégory Boulez et sa sœur Sophie devraient être au lit. Mais maman, on est vendredi. Sophie Boulez commence à 10h, elle a maths. Grégory, lui, commence bien à 8h et il a sport. Pierre Boulez s'est levé et a éteint la télé. Il a demandé à son fils d'aller au lit. Celui-ci a obéi sans marronner. Pierre Boulez est resté assis en silence avec Sophie Boulez pendant un moment. Il ne trouvait rien à se dire. Puis Sophie Boulez a décidé elle aussi d'aller se coucher. Elle a souhaité une bonne nuit à Pierre Boulez, qui du coup s'est retrouvé tout seul, comme un con. Voilà que je me retrouve tout seul comme un con, s'est dit Pierre Boulez en se levant pour aller se chercher une bière dans le frigo. Pierre Boulez a bu sa bière en quelques gorgées et a décidé d'aller se coucher. Myriam ne dormait pas encore. Elle lisait comme chaque soir quelques pages d'un livre qui ne finirait jamais. Pierre Boulez s'est glissé dans les draps et s'est endormi aussitôt. Myriam, quant à elle, est allée dans la salle de bain pour boire un verre d'eau et ensuite elle a fait comme Pierre Boulez. Elle a éteint la lumière et s'est endormie. Peut-être pas aussi vite que Pierre Boulez, mais quand même, assez rapidement.